Quelques pharisiens vinrent lui Viens dire, Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, Allez, et dites à ce renard, Voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Zénon, ça va. Ok. Today, tomorrow. And the day after. 3 days. That is not, he's not dying that yet. He said, Herod want to kill you. Already, Herod veut te tuer. He said, go tell that fox. I am still here. Allez dire à ce renard, je suis toujours ici. Like he picked John and killed him. De la même manière, ils ont pris Jean pour le tuer. And cut his head. Who? Yeah. He cut the head of John. Mm-hmm. Yeah. Et ils ont coupé sa tête. Let him come here. Demande-leur de venir. I have 3 days here before I leave. je dois faire 3 jours ici avant de quitter. Those 3 days, you have answers for those spirits over your life. Just 3 days. Pendant ces 3 jours, il va répondre à ces esprits qui vous défient, qui vous embêtent dans votre vie. Amen. Les 3 jours, il a dit, je suis encore là pour 3 jours. Et il ne peut pas venir me chercher. Allez dire au renard, on dit, fuis. Il veut te tuer. Il dit, je suis là pour 3 jours. Aujourd'hui, demain et le jour d'après. Et je chasse les démons, je sors. Il dit, pendant ces 3 jours, Jésus répondra aux esprits des ténèbres qui nous embêtent. And these 3 days, is it the 3 days before Good Friday? Yes. Well, the first day. Je lui ai demandé, est-ce que ces 3 jours-là, ce sont les 3 jours avant le vendredi saint? Il m'a dit oui. Il a commencé à développer. Il dit le premier jour, the first day, after Palm Sunday. The first day. Because le premier jour, il a maudit le figuier. And exposed sin in your life. Et il a exposé maintenant nos vies, nos péchés. Mm-hmm. Permettre à nos péchés d'être commis. The next thing is they begin to challenge him. Maintenant, dès qu'il a fait ça, c'est les esprits des échangeurs, les forces et autres là, toutes ces forces qui nous gardaient prisonniers en cachant nos péchés, parce que tant que nos péchés sont cachés, ils ne nous sont pas pardonnés. Ceux-là vont dire non. Ah, ils vont lui lancer un défi. Et pendant ce défi-là, quand ils vont lui lancer ce défi, il a juste besoin de 3 jours pour leur répondre. After the 3 days, yeah, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Il dit, lundi, mardi, mercredi. Non, Monday. Oui. Monday, to cause the fig tree. And expose sin. And expose sin. Challenge began. Tuesday, Wednesday, Thursday. Donc les 3 jours qui suivent là, il commence à répondre aux forces du mal qui nous tiennent prisonniers. And on Thursday. Et le vendredi, et le jeudi plutôt, he gave you this thing. Le jeudi, il communie avec vous. So that you have his help. Afin que vous ayez son aide. To stand over them. Afin que vous ayez son aide pour régner sur ces forces. Over them. Over the forces. Exact. Pour régner sur ces forces des ténèbres qui nous amènent. You have his ability. Afin que nous ayons la possibilité, son habilité, to do whatever he says you should do and be whatever he says you will be. Pour faire ce qu'il a dit que nous allons faire, pour devenir ce qu'il a dit que nous devons être. So,
the mystery of the communion. Bon, maintenant, c'est le mystère de la communion. Where did it begin? Où est-ce que ça a commencé? How did it come? Comment c'est arrivé? Who was first given? Who was first given? Given to the... Who was first given communion? À qui on a donné le premier la communion? Who did he give it to? À qui on who did he give it? I gave it to you. Yes. Who did he give it to? Monsieur, le premier à qui on a donné la communion, à qui lui l'a donné? How did it become a legacy? Comment c'est venu en héritage? Comment cela nous est venu en héritage? Oui. God is a very strict God. Dieu est un Dieu discipliné. God. C'est un Dieu discipliné. He has orders. I told you. God is ordered. Il a de l'ordre dans ce qu'il fait. Communion began from God. La communion a commencé à partir de Dieu. À partir de quoi? À partir de Dieu. Là. Genèse chapitre 14. Genèse 14. Chapitre 14, oui. Verset 18. Melchisédek. Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Not Abraham. Abraham. Je continue le vin. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est le vin. Ma foi. God. Dieu. In Melchisedek. En Melchisedek. The heavens. De les cieux. Came and gave communion to man first. Est venu donner la communion à l'homme pour la première fois. Il a dit: Dieu en Melchisedek des cieux est venu donner la communion pour la première fois à l'homme. Dieu en Melchisedek des cieux est venu donner la communion pour la première fois aux hommes. Then the first who was given communion is Abraham. Yes. The first man. The first man. Communion began from God. La communion a commencé depuis Dieu. But here, they don't turn the bond. Okay. Because he came with bread and wine. Yes. Not to drink himself. Who? And Melchisedek. Not to drink that himself. That is, you know Melchisedek? Melchisedek, a king of Salem. And no, okay. Let's see what Melchisedek, so we can know this person. Hebrew. We don't ask questions. You are asking already, don't worry. Okay. Hebrew. J'ai dit, mais au fait, on avait dit qu'on ne doit pas poser des questions. J'ai dit, j'ai posé que on va. Let's see who is Melchisedek. Hebrew. Melchisedek. Chapitre 7. Chapter 7. Hebrew chapitre. Qui est Melchisedek? Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Yes. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem,
c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Ah. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable. Ah, Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Nos commentaires, de 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. Pardon, ok. Sans généalogie. Sans père. Sans mère. Sans généalogie. Hébreux 7, 1 à 3. Il est comme Adam. Adam a un commencement. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas de généalogie. Et du monde. Et les sacrificateurs à perpétuité. Et comme ça, ça va. Ok. So God gave Abraham. Okay. A communion. Because you know God, you know already. Dieu a donné la communion à Abraham. You know already, God has sacrificed his lamb. Vous vous rappelez que Dieu a déjà sacrifié l'agneau. Son agneau. Pour gave it to Adam and Eve and his wife. Pour donner à Adam et à sa femme. Oui, on se rappelle. So that Abraham would have help from God to do everything and be anything God says he should be. Afin que Abraham fasse tout et soit tout ce que Dieu a dit qu'il fera et sera. They brought the bread and the wine for his communion. Il a apporté du pain et du vin pour sa communion. He gave it to him. Il lui a donné ça. It il a pris. Then after the Bible says, he believed God and it was counted unto him for righteousness. And the Bible says, Abraham believed God. God, and it was counted unto him for righteousness. Il dit, et la Bible dit que Abraham a cru en Dieu et compte sur lui. Et compte sur sa justice. Voilà. And Abraham began to become exact what God said he will be. Abraham commence à devenir exactement ce que Dieu a dit qu'il sera. Après. When Abraham took the communion, quand Abraham a pris la communion, God came to him. Dieu est venu en lui. He now gave the order of the communion on earth. He now gives the pattern of partaking with God on earth. Après que Dieu est venu à Abraham, et lui a montré comment on va donner la communion sur la terre, le processus, le pattern. To give communion. How communion will be. Ok, donc c'est à partir, j'ai pas compris. Donc c'est à partir de ce moment que Dieu lui a montré comment donner la communion sur terre. Genèse 18, 18. 1 à 6. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur,
si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. C'est bon. The water to wash feet. Feet washing. Yes. Washing of feet. Yeah. And then I'll give you the food. Et après, vous donnez à manger. When Melchizedek brought it, he didn't wash Abraham's feet. Quand Melchizedek a amené la communion, il n'a pas fait le lavement des pieds à Abraham. Yeah. Abraham gave it to him. You know, God gave him. Yes. He gave it back to God. Il dit, Dieu lui a donné et il l'a retourné à Dieu. And when he gave it back to God, the promise of his life was given that day. Et quand il a retourné à Dieu, les promesses de sa vie ont commencé à s'accomplir. You know when the king got food? Ce jour-là. I will come next year. Sarah will have a baby. Il dit, je vais revenir l'année prochaine à la même période. Sarah aura un enfant. Before it was a long time. Before it was a long time. It was a long time. Avant, Sarah will give birth. But this I say next year. Pourtant, avant on disait Sarah aura un enfant. Sarah aura un enfant. Mais cette fois-ci, ce jour-là. By this time next year. À partir d'aujourd'hui, à l'année prochaine, à pareil moment, Sarah aura un enfant. So when you come into communion, quand vous venez à la communion, you must be saying by this time next year, something must happen. Vous devez être sûr que à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine, quelque chose va se passer. I say if you cry on your work, you cry on your wife. Je vous ai dit, si vous pleurez sur votre travail, sur votre enfant, sur votre femme, sur votre... Those cries are small cries. Ces pleurs-là sont de petites pleurs. Il dit, vas-y, dans this cry. Quand tu pleures, tu pleures. Vous la redis, après tu as un peu la petite tête. Ok, you cry today, you didn't eat today. Tomorrow, you eat food. Tu as pleuré aujourd'hui, tu vas manger. Demain, tu manges, je vais manger. You cry that you will still forget and still go and play. Uh-huh. So you say, somebody is doing, you come up, you are crying for yourself. Yeah. Tu as pleuré, tu oublies même des fois que tu as pleuré et tu t'en vas t'amuser. Tu apprends qu'on fait telle fête ici, tu cours, tu vas là-bas. Fake cry. Ce sont de fausses pleurs. Même. This one is a true cry. Tout ceci, c'est la vraie pleure, la vraie douleur. That cures everything in your life. Cures. Qui guérit tout dans votre vie. The cry that cures for every problem you have in life. C'est les pleurs qui résolvent tous les problèmes de votre vie. There can't be any problem that will be over that cry. There can't be. Aucun problème ne peut être au-dessus de ces pleurs. Nothing. Il n'y en a pas. Nothing. Let the whole wish of Kutonu train to Ajaxe. Join to Ghana, join to Nigeria, make a force. When that cry comes to play, everybody disappears. Il dit que tous les meilleurs sorciers
de Cotonou, de Calavi, se joignent à ceux de Porto Novo, s'en vont au Nigeria, au Ghana, partout, pour fédérer leurs forces. Dès que ces fleurs-là tombent, tous disparaissent. Ah! Les plans de Christ à travers la communion. That thing there, if you point it like this, on there. Ce truc-là, c'est comme une sickness. Maladie. Rien n'a plus de puissance que ça. When we first took it in Nigeria. When you first took it in Nigeria. La première fois qu'ils ont pris ça en Nigeria. Somebody had asthma. Quelqu'un avait l'asthme. And he works. He works on the field. He works. Engineer. Et il est ingénieur en bâtiment. On the field. No dust, asthma. Et vous savez que la poussière, ça, les attendus ne supportent pas. Il lui a donné la communion. Et ils ont bu le sang. Yeah. Asthma. L'asthme est parti pour de bon. Till today. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. This one. Ce truc-là has greater power. A plus de puissance. When I get to Lagos for Easter, yes. Quand je partirai à Lagos pour les Pâques, I shall prepare this one. Je vais préparer ça là exactement. Because before you don't prepare it. Like I pay it once. Il dit qu'il a préparé comme ça là, une seule fois. Mais que cette fois-ci là, quand il va retourner, this il va préparer. The second time. Et que c'est la deuxième fois qu'il prépare la communion comme ça. But those who came to prepare this one. Mais ceux qui sont venus pour préparer ceci. They came for two things. Ils sont venus pour deux choses. Because there is no altar that can carry it here. There is no altar that can carry it. Yes. You see, they have to bring their altar to re-prepare it. Okay. So because they brought altar to prepare it, it makes it different from that one. Ils sont venus pour deux choses parce que ici il n'y a pas d'hôtel. Donc ils sont venus d'abord pour installer leur hôtel avant de préparer la communion. Et c'est parce que ils sont venus pour installer l'hôtel que ceci est différent de ce qu'ils vont faire là-bas. Parce que là-bas, il y a déjà l'hôtel. There is altar there. Parce qu'il y a déjà l'hôtel là-bas. There is the angel of the altar there. Et l'ange de l'hôtel est déjà là-bas. So when you prepare, those who come to prepare, join the angel of the altar. Ceux qui viennent de Paris, ils viennent juste joindre à l'ange de l'hôtel qui est là. But this one, mais ceci, the angel of the altar, and they prepare coming the same time. Mais cette fois-ci, c'est l'ange de l'hôtel et l'ange qui prépare la communion sont venus en même temps. That's what shake everything. Et c'est ce qui a secoué tout le truc là aujourd'hui. But that we are le territoire. Tu n'as pas parlé là. Ah, aujourd'hui. Oui. Non, on n'est pas au courant. Il dit que il a dit que quand il va préparer cette communion là, il n'y a rien à faire, il va pleuvoir. Sinon la communion n'est pas validée. Il a dit ça le matin. Oui, il a dit ça à Jovi. À Jovi a dit ça à Demarie. Et effectivement, quand il a fait, la pluie a commencé ici. Et le tonnerre a grondé, il dit que toutes les entités sont au courant que quelque chose s'est passé aujourd'hui au Bénin. Quelque chose est rentré au Bénin aujourd'hui. Alléluia. So be prepared to carry the heavens on your back. To carry the heavens on your back. De nous préparer alors à porter le ciel sur nos dos. Abraham gave them. Abraham gave them. Abraham. Yes. Melchizedek gave it to Abraham.
Melchizedek a donné à Abraham. Abraham gave it to them. Abraham donne. Les a donné. Leur a donné aux trois. Two people. Melchizedek gave it to Abraham. Melchizedek, il y a deux personnes. Melchizedek à Abraham. 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 They received it from Abraham. Et ils ont reçu ça de Abraham. Even if it's the same person, but from Abraham, a renewed person. Yes. Parce que Eli, pourtant c'est la même personne qui était Abraham qui est devenu Abraham. Abraham qui est devenu Abraham. Il dit oui parce qu'il a été renouvelé. Abraham a été renouvelé et devenu Abraham. D'accord? Abraham a été renouvelé et devenu Abraham. Abraham is a man of promises but no fulfillment. Abraham, c'est l'homme des promesses sans accomplissement. Abraham. But Abraham. Mais Abraham. Every fulfillment, no matter where, he will take it. C'est l'accomplissement total. Quel que soit ce qui se passe. Abraham does not lose anything. He doesn't lose. Abraham n'a rien perdu. Nothing overrides Abraham. Rien n'échappe. Rien n'est au-dessus de Abraham. Pharaoh. Pharaon. Override Abraham. Override. What? Cheat Abraham. Cheat. To cheat somebody. To cheat somebody, c'est tricher. Ouais. Tricher, opprimer. No. Is it oppress? Can I use oppress? No. Not abuse? No. No. He cheated. Okay. He took Abraham's wife. Okay. Il a triché. Il a triché à Abraham, en fait, parce qu'il disait, c'est pas vraiment le mot pour l'utiliser en français, mais j'ai pas le mot. Le fait de prendre la femme de. Il a arraché la femme d'Abraham, il dit, l'anglais dit, il cheat. Mm-hmm. Ok. But when it comes to Abraham, mais quand il est arrivé à Abraham, God went to the king and said, you are dead. As I'm seeing you. il dit, Dieu est allé dans le roi et il dit, tu vas mourir. You are dead. As I'm looking at you. You are dead. You are dead. Il dit, tu es mort. Let's see the two. Abraham. Genesis chapter 12.